Il est temps de rire à 8h43. Qui vois-je ? Tanguy Pastureau, il est là. RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, ça y est, hein, demain, les gens de droite vont élire leur champion. Oui, fini les débats à 7, il ne va plus en rester que 2. C'est le premier plan social organisé par le peuple. On s'était habitué à suivre nos 6 gars velus plus NKM. C'était un peu Blanche-Neige et les 7 nains en moins moderne. Juppé, le bon serein à l'identité heureuse, est prêt, s'il perd, à remplacer le Dalai Lama. Il dormira sur une paillasse entre deux yaks flatulents. Quand il blottira sa tête dans le poil du bestio, ça fera comme s'il avait des rastas, son rêve. Sarkozy, s'il échoue, retrouvera les dîners préparés par Carla, une demi-endive pour deux et un Gervita Light en dessert. Après 3 mois, il passera sous les portes. S'il perd, Fillon, à qui Karine Le Marchand avait reproché de ne pas s'épiler les sourcils, ira avec elle chez l'esthéticienne, qu'il passera en entier à la cire chaude, ce qui lui ouvrira les portes soit du rayon volaille chez Leclerc avec les poulets de louée, soit des soirées hautes à Mykonos. Fillon, selon les sondages, ne cesse de monter. C'est la Fillon-mania. Les gens achètent des pompes à gland et des culottes en velours pour être comme lui. S'il perd, Bruno Le Maire, le Jacques Prévert de droite, sortira son nouveau poème « Plus de boulot, c'est Bruno, la galère, c'est le maire ». S'il perd, Copé, le roi du pain au chocolat, le héros des boulangères à joues rouges, passera son BEP pâtisserie. Enfin, il reste J.F. Glouglou, Jean-Frédéric Poisson, l'agité du bocal, que cette primaire a starisé. Dans la rue des femmes, lui crie « Mon poisson, je vais te faire sauter les écailles, viens te tremper dans ma maillot ». Et NKM, bien sûr, qui vit dans le futur. Elle parle start-up, numérique, transhumanisme. Elle a 154 ans de décalage avec Juppé. Je pense que c'est un alien qui s'est déguisé en quadra bobo. Le soir, quand elle est à l'hôtel Mercure, bien sûr, elle sort toutes les vis de son lit pour les mettre dans sa soupe. C'est affreux, en fait, ça veut dire que dès lundi, certains vont nous quitter, c'est mécanique. Mais non, Bernard, parce qu'il va en rester deux, les dominants. La oui. politique, c'est comme les bonobos, mais sans les câlins. Du coup, les perdants vont s'engager auprès d'eux, afin de devenir Premier ministre si leur poulain en mai s'installe dans la cahute de Hollande. Ça fait 4 mois qu'ils s'engueulent, qu'ils s'en mettent plein la tête, mais lundi, ça va être la ronde des bisous. Un peu comme si Harlem Désir, le grand mou au cœur de beurre, avait pris les rênes du truc. À part Poisson, qui a annoncé qu'il pourrait voter Marine, logique vu son nom, tous les autres vont faire la danse du ventre aux deux winners, à faire passer la plus chaudasse des Miss Camping pour une pucelle un peu rêveuse. Alors certes, la bande des 7, c'est fini, demain il n'en restera que 2, puis 1, le Manitou de la droite, oui. acclamé par ses fans qui retireront leur pull sur les épaules pour le faire tourner autour de leur tête. Qui sera cette personne, Bernard ? Suspense. Suspense absolu, au moins jusqu'à 20h demain soir. Et l'émission spéciale sur RTL présentée par Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 23h. Merci beaucoup Tanguy, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et retrouvez Tanguy Pastureau en podcast et en vidéo sur RTL.fr, il est 8h46.